La petite histoire, on se rappelle, il y avait un cercle, voilà, qui est amendement sa folie, merci. Il y avait un cercle qui était autour du président Lansana Conté, qui nommait les ministres et qui démettait les ministres. Et le principal actionnaire, merci Kadi Diop, merci beaucoup ma sœur chérie, le principal actionnaire, l'homme qui faisait croire, qui faisait croire au monde qui aimait le président Lansana Conté, tel n'est pas le cas. Merci ma sœur Bangoula Guise. Et l'homme qui était là, avec les faux des Bangoura, ils étaient là avec les Ardiana faux, ils étaient nombreux comme ça. Ouais, Ba Chérif de Lille, merci Lisave. Merci frère Ba Chérif, merci beaucoup. Ah, ça va depuis France, bonsoir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Au temps du général Lansana Conté, Mamadou Sylla, Fode Bangoura, Ardiana Fode, qui était moins aimé, Fode Bangoura et lui, Mamadou Sylla, nommaient presque les gens. Voilà un individu qui s'est attaqué à Selou Dalein Diallo, qui a fait croire en ce temps au général Lansana Conté que le commerce, que Selou Dalein Diallo et sa famille, c'est comme ça, il le disait, hein, étaient en train de détruire le commerce guinéen. On le sait. Il faisait partie des personnes qui ont détruit la gouvernance de Lansana Conté. C'est lui qui a créé ce problème entre, j'ai dit, mais entre le président Lansana Conté et Selou Dalein Diallo. Et vous savez ce qui s'est passé, qui est très important et que nous devons le signaler. C'est quelqu'un qui a été toujours contre. Il a été toujours. Il n'a jamais aimé Kassouri. Il n'a jamais aimé Kassouri. Jamais aimé Kassouri. J'ai le témoignage ici d'un de ses frères. Un de ses frères qui est remonté contre lui, qui m'a écrit. Voilà. Un de ses frères, hein, son frère de même père, qui, même père, même mère, il m'a écrit. Il ne savait même pas qu'ils étaient nombreux. Donc le frère m'a écrit. Ça, c'est sa vie privée, mais je vais la partie la plus importante. Merci, la sœur, à cette bébé, Yula. Merci. Donc, Mamadou Sylla, c'est lui qui, principalement, qui a créé cette situation de vente d'Air Guinée, selon les informations que j'ai reçues. C'est lui qui expliqua au président Lansana Conté que Air Guinée, c'est une dépense. Air Guinée, en ce moment-là, on ne peut pas gérer cette compagnie. C'est lui qui convainca Ardiana Foudé et Fode Bangoura ensemble de discuter, de dire au président Lansana Conté, oui frère Ouriba, ça commence à aller, de dire au président Lansana Conté de vendre Air Guinée. Et comment vendre Air Guinée? Excusez, ma voix est prise. J'espère que vous me pardonnez. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Voilà, je fournis un effort. Brigitte Honoré, ma soeur chérie, comment vas-tu? Donc, c'est lui qui poussa, hélas, Fode Bangoura. Et en ce temps, hélas, Serouna, selon les informations que j'ai reçues, hélas, Serouna, avec sa fonction de sage de la basse-côte, avait déconseillé, hein, selon l'information que j'ai reçue, avait déconseillé, de vendre Air Guinée. Le problème, c'est que qui devait acheter Air Guinée? Madame Sylla, comment va? Qui devait acheter Air Guinée? C'est lui-même, Mamadou Sylla, qui devait acheter Air Guinée. Vous savez, il avait beaucoup de compagnies à Kindia. Il avait presque occupé toutes les petites compagnies, petites entreprises. Il ne partageait aucune activité. Vous comprenez? Et dans ça, là, excusez-moi du terme, il prenait les peuples comme son ennemi en matière de développement commercial. Voilà, il prenait les peuples comme son ennemi. Et c'est le marché devait être concurrencé, mais lui ne voulait pas de concurrents. Il a fait la guerre à Super Bobo, les Aladji Girgirji de Bamoun, ils sont nombreux comme ça, qu'il avait attaqué. Je me rappelle même qu'il avait attaqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Air Guinée qui voyait comme ça là, c'est lui qui poussa les autres là. Maintenant, lorsque le président Lansana Conté a demandé qui est l'acheteur, il a demandé, on me fait comment qu'il a demandé à Ardiana Fodé, paix à son âme, et l'autre
comment c'est l'autre Souma, c'est pas Fode Bangoura. C'est Fode Souma, Ardiana Fode. Il a demandé à Ardiana Fode qui est l'acheteur. Et qu'est-ce qu'il a dit au président Alassane Conté? Qu'est-ce qu'il avait dit qu'on transmet au président Alassane Conté? Que lui, il a négocié avec des partenaires. Il a négocié avec des partenaires thaïlandais ou indonésiens pour acheter Air Guinée. Sauf que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Celui-là, Ndiallo, étant averti, lui, il a enquêté. Selon ce qu'on m'a expliqué, il a enquêté. Celui-là a compris que c'est lui, principalement, l'acheteur. Lui, Mamadou Sylla, l'acheteur. Bala Kanté, merci beaucoup, l'acheteur. Immédiatement, il est parti rencontrer le président Alassane Conté, paix à son âme. Si j'oublie, accepte, paix à son âme. Il a rencontré le président Alassane Conté. Étant un expert, il a expliqué au président Alassane Conté. Il ne s'agit pas d'acheter l'avion en question. Il s'agit de l'entretien. Ce qui est vrai, acheter une compagnie n'est pas le problème. C'est gérer la compagnie qui pose problème. Gérer. On me fait comprendre que jusqu'à il y a des travailleurs que lui, Mamadou Sylla, doit dans cette affaire de. Il doit à ses travailleurs. Jusque-là, hein, lui, Mamadou Sylla. Avec l'arrivée de Dadis, il y a certaines personnes qui avaient déposé une plainte auprès du président Dadis pour lui poursuivre, pour non-paiement. Mais Dadis n'a pas fait attention à ça parce qu'il y avait beaucoup de priorités. En ce temps, Dadis avait dit, ils ne sont pas venus pour gérer le pays. Ils sont venus organiser des élections et remettre le pouvoir à un civil. Vous parlez de ça à un civil. Le dossier était là-bas. Les plaignants avaient les dossiers là-bas. Ils avaient porté plainte contre lui, Mamadou Sylla, Vitelec. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alassane Conté était malade. Tout le monde connaît ces derniers temps. 2006, 2007, 2008. Ce n'était pas la bonne forme. Donc, il y avait Fode Bangoura, il y avait Ardiana Fode, il y avait Amara, il y avait lui, Erasmus, il y avait quatre personnes, des barreaux, ont pu convaincre Alassane Conté de céder. Et c'est comme ça Alassane Conté a cédé l'avion à lui-même. Demandez à tout le monde, lorsqu'il a pris la compagnie n'a pas fait 6 mois. La durée de la compagnie, c'était 3 mois. La compagnie était morte. Parce que ce que c'est lui a expliqué au président Alassane Conté. Il a expliqué tous les détails, le matériel, l'achat du. Le fou, les, comment on appelle ça, les fournitures. Est-ce qu'il peut avoir les pièces de rechange à temps? C'est un avion qui doit avoir une maintenance régulière. Parce que c'est un esprit, il a expliqué tout. Est-ce que vous comprenez? Donc il a tout détaillé. C'est lui étant un expert, lui il a tout détaillé. Il a expliqué. Je n'ai rien contre lui. Il peut comprendre autrement. Mais je vous explique seulement comment on gère une compagnie. Et pourtant, les gens s'en racontent, c'est très bien que c'est lui est un expert. Il a fait l'école d'administration. C'est un administrateur. Il connaît la gestion. Oh non, Alcine, comment vas-tu? Il connaît la gestion. Donc il dit, je n'ai rien contre lui. Il pense que je suis contre lui. Je ne suis nullement contre lui. Mais il ne peut pas gérer une compagnie. Ou bien alors, si vous devez le remettre, s'il vous plaît, que le gouvernement gère la partie maintenance. Tellement que s'il avait la volonté que son département ait un œil sur ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup arrangé. Lui seul, il a les papiers pour dire que la Guinée le doit. Mais sauf que quand tu demandes de venir détailler combien la Guinée le doit, il ne peut pas expliquer. Qui le doit? Quel département le doit? Il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer. C'est beau de dire que la Guinée te doit. Mais comment la Guinée te doit? Quel est le département qui te doit? Et le président Alassane Conté, il dit, bon, laisse tomber ça. Tout qu'on fait, l'État ne peut pas gérer, nous n'avons pas de moyens. À tout moment, je suis malade, je ne peux pas négocier, on n'a pas d'argent.
pour faire ceci là. C'est lui l'a laissé avec l'avion. Nous connaissons la suite. C'est ce qui fait que depuis, je suis remonté qu'on dit que c'est celui qui a vendu Air Guinée. Et je l'ai dit, hein, si on fait le classement de la vente d'Air Guinée, je dis bien, si on fait le classement de la vente, merci grand frère Sissamani, si on fait le classement de la vente d'Air Guinée, je vous le jure, merci Alpha Kebedi, je vous le jure, celui viendra en 9e et 10e position parce qu'étant le ministre de transport, il pouvait démissionner. Je le reproche par rapport à ça. Oui, il pouvait démissionner. Et ce qui est grave, hein, demandez. La dame m'avait bel et bien expliqué. C'est un document qu'on a déposé devant ce loup, a signé. Il n'a même pas lu. Non, il voulait prendre connaissance. On dit non, c'est le président qui a ordonné de signer. C'est concernant Air Guinée. L'État doit céder. Et voilà comment elle a posé sa signature. Malgré ça, il est reparti deux fois expliquer au Bélan sans raconter. Nous connaissons la suite. Donc ce monsieur n'a que de la haine contre les gens. Il n'aime pas partager. Tout le monde le sait. Il est contre tous les commerçants. Moi j'ai parlé avec quelqu'un qui connaissait son histoire entre, comment elle s'appelle, entre Super Bobo. On m'a expliqué une histoire entre lui et Super Bobo par rapport aux produits alimentaires. Mais c'est pas important, ça c'est du passé. Si je vous explique ça en détail, vous comprendrez que c'est un égoïste, un vrai égoïste. C'est un égoïste. D'abord, il n'a jamais aimé Kassouri. Il n'a jamais aimé Kassouri. Il n'a jamais aimé Kassouri. Kassouri étant très intelligent, c'est Kassouri même qui avait demandé. C'est Kassouri même qui l'avait demandé au Pélas à la conduire, c'est parti. Et vous savez, l'homme là, Pouka, c'est son propre frère, hein, qui m'a dit qu'il est très malhonnête. Lors du décès de leur papa, leur père biologique, celui qui a pris tous les biens de leur papa, il n'a pas partagé avec ses compères. Il n'a pas fait. L'homme que vous voyez comme ça, là, les gens ont fait palabre, il n'a pas accepté. Il a refusé. Et ce qui est grave, selon aussi mon informateur, l'homme que tu vois comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas osé demander au président Dadis que le président lance à la compte le droit. Parce que le président Dadis sait très bien qu'il faisait partie. J'ai dit, mais il faisait partie des facilitateurs du transport de la drogue dans ce pays. Mon grand Dieu, Chek, respect à toi, grand frère. J'ai dit bien, il faisait partie du réseau de facilitateur du transport de la drogue dans ce pays. Et il n'osait même pas parler au président Sékouba Konaté. Tout ceci, là, le connaissait. Son égoïsme. Il a attendu l'arrivée du prince Alpha Condé. Je vous dis, il a pris tous les paperasses. Il est parti rencontrer. D'abord, il a cherché amitié avec le président Alpha Condé. Il s'est attaché au président Alpha Condé. Après, lorsque le courant, en ce temps, les Kassouri étaient dans l'opposition. Les Kassouri là étaient dans l'opposition. Donc, il a cherché l'amitié avec le président Alpha Condé. Il a tissé une très bonne relation avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse tous ses papiers et montre et dit, voilà ce que l'État me doit. Maintenant, il était devant un intérêt, parce que c'est un illettré. Lui ne connaît que les chiffres et les signatures. Alpha Condé, lui, connaît comment les contrats ont été obtenus. Et qui t'a autorisé? Quelles sont les personnes qui ont facilité les contrats? Alpha Condé a commencé à lui poser des questions. Si je dois payer tout ça là, tu dois m'envoyer tous ces noms là. Tout ceci là, toutes ces personnes là, ils sont une vingtaine de personnes. Ils n'ont qu'à venir. Nous allons détailler comment ils t'ont emprunté cet argent. Et c'était dans quel but? Et que moi-même en personne, je mets une équipe sur place pour aller voir sur le terrain si tu avais exécuté les travaux. Écoutez très bien ce qui est rentré entre le Prince Alpha Condé et lui. Et qui était le chef du gouvernement du Prince Alpha Condé? C'était mon médecin du Fofana. Il n'aimait pas le gars-là. C'était devant le PM, mon médecin. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies les vingtaines de personnes-là. Ils viennent ici. À quel moment ils t'ont prêté? Comment ils ont signé les contrats?
Maintenant, j'avais une équipe sur le... Écoutez, une équipe qui ira sur le terrain vérifier l'exécution des travaux. Parce que sauf qu'il y avait des projets, c'était sur le papier. Il a encaissé certains montants, le projet n'a pas été exécuté. C'est là le problème. Alors, depuis ça, non. Parce que c'est ce que lui, il voulait. C'est ce qu'il a entendu, parce que tout ce qui était projet, il ne voulait même pas, il ne parlait pas de ses projets entre le PM, celui dans les dialogues, lui, hein. Il sautait le PM, celui dans les dialogues, parlait vers le président. Il n'y avait rien entre celui et lui. Il n'y avait rien. Tous les premiers ministres là, surtout, comment ça s'appelle, Sidimé. On me fait comprendre qu'il y a eu tellement de sérieux problèmes entre Lamine Sidimé. Lamine Sidimé et Luchi. Des sérieux problèmes. Jusqu'à un jour, Lamine l'a demandé, pourquoi vous me contournez pour aller rencontrer le président? Il a dit carrément, je n'ai rien à faire avec toi. C'est là, c'est mon frère qui me donne le contrat. Donc, c'est à lui que je dois faire le contrat. Il a dit carrément au PM. Au PM, l'ami Sidibé. Mais Alpha Condé lui a dit, ce qui s'est passé par rapport au dépôt, lui l'a dit, il dit qu'il avait signé un contrat avec le président de l'Assemblée Conte pour le dépôt. Déplacer, écoutez, quelqu'un qui aime ce pays, quelqu'un qui aime ce pays, quelqu'un qui se soucie de la proximité de ce dépôt vers la population, entre Dieu et vous, il aurait suggéré au président de déplacer le dépôt vers où? Quelqu'un qui s'est dit il aime ce pays, il est parti demander au président de la rencontre de déplacer le dépôt, que c'est proche de Koronti. S'il aimait ce pays-là, si c'était vous, si vous voulez déplacer ce dépôt, vous l'auriez envoyé où? C'est pas à l'intérieur du pays, ou bien sur la terre ferme, vous l'auriez envoyé si vous êtes vraiment réel et sincère. Vous l'aurez déplacé sur la terre ferme. Mais qu'est-ce que lui a proposé au président Lassana Conté? C'est l'envoyer au petit bateau. L'envoyer au petit bateau. Tiens, qui sommes Ismaël Barou. L'envoyer au petit bateau. Et vers la partie qu'on avait offerte, la partie qu'on avait offerte aux Maliens là, pour faire les ports. C'est là-bas, ils voulaient faire le dépôt. C'est proche de Konak, c'est tout dans le canon. Lui, c'est ce qu'il avait. Et puis, c'est lui qui avait fait tout le contrat. C'est lui qui avait ficelé tout. C'est lui qui avait il dit des experts. Et en ce temps, le premier ministre, c'était qui? C'était, comment il s'appelle là? Tidiane Soirée. C'était Tidiane, le père Tidiane, oui, c'était Tidiane Soirée. Oui. Non, oui, Tidiane, c'était le premier Tidiane Soirée. Tidiane Soirée l'a dit. C'est ce que Tidiane a dit. Tidiane dit, je ne pense pas que déplacer le dépôt de Koronti envoyé au petit bateau serait la solution. C'est tout ce que lui a dit. Il s'est mis contre ce dernier. Imagine, Tidiane a sauté. Tidiane Soirée a sauté. Le prince Tidiane Soirée, il a sauté. Moi, j'étais à Conakry, j'étais déjà directeur. J'étais à Conakry. Il a sauté. Et il ne s'est pas limité, il a tout fait, il a envoyé les noms des experts à monter, parce qu'il ne venait pas avec les experts sur le président, il venait avec les documents présentés au président Lassana Conté. Lui, il est malade, il est chez lui. Lassana Conté pouvait aller, il est malade maintenant, il était très malade. Maintenant, malheureusement, Lassana Conté est mort. C'est ça, mon Yannick. Lassana Conté est mort. Dadi s'est arrivé, il n'a pas osé. Donc, quand Alpha Condé est venu, je laisse Alpha Condé, je prends son premier ministre, le PM Saïd Fofana. Le PM Saïd Fofana a mis une équipe sur place, des experts. Le PM, avant même l'arrivée de Youla, le PM, le premier ministre Mohamed Saïd Fofana, c'est à cause de ça, je dirais tout le temps son nom. Lui, il a mis une commission, une étude. Ils ont envoyé l'étude là jusqu'à Forêt-Karia, entre Koya et Forêt-Karia. Oui. Voilà quelqu'un qui aime le... Il dit, je veux que le dépôt soit à l'intérieur. Loin de la capitale. C'est ça. Et lui, il dit d'envoyer au petit bateau. Juste dans Kaloum même. Même Kaloum là. Et puis, c'est sur la mer. Et puis, les dépenses sont énormes. Mais vous avez vu comment Alpha Condé a déplacé le parc auto vers l'intérieur. Le parc auto.
Maintenant, le parc pétrolier aussi, c'est de dire on envoie ça vers Forêt-Cariaque. Voilà la zoologie de monsieur. Il s'est mis contre Alpha Condé. C'est comme ça s'est passé. Donc, et qu'est-ce que le PM Saïd Fofana a fait? Je vais lire ce qu'il a fait. Vous allez comprendre que c'est un faux type. Voilà. Parce que ce qu'il voulait là, il a dit Alpha Condé, donne-moi l'argent, on va faire le tour, on va déployer. Il dit non, Alpha Condé, donnez. Et puis ce n'est pas une priorité. Alpha était très clair. Je veux un barrage, je veux des barrages, je veux le courant. Il a proposé au professeur Alpha Condé des groupes. Quelqu'un qui aime la Guinée. Lui, il a proposé des groupes. Il dit qu'il peut chercher des marchés pour remplacer Tombo et un Tombo de Tombo 3. C'est les mêmes menteurs. Alpha Condé là, c'est très clair. La Guinée est riche en ressources fluviales, donc je préfère faire des barrages. On a tellement de shit, donc on fait des barrages. Tout ce qu'il a proposé au président Alpha Condé, ça n'a pas été accepté. Et voilà, directement, il s'est mis contre lui. D'abord, ce n'est pas un intellectuel, c'est un illettré. Alpha Condé ne peut pas traiter avec lui. Et puis, il n'a pas d'argent. Il profite des gens. Il n'a pas d'argent. Ne le voyez pas comme ça. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent parce qu'il ne savait pas d'avoir 25 millions de dollars ou 30 millions d'abri qui étaient à l'argent. C'est un voleur, un simple voleur. Il a profité du président de la Conté. C'est ça la vérité. Et vous allez voir ce que le PM a fait. Excusez-moi. Je vais lire ça rapidement. Avant que mon état ce soit. Excusez-moi. Je vais lire ça rapidement. Voilà. Je continue. Je continue. Voilà. Explosion du principal dépôt de carburant. Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre 2023, l'explosion. Et puis avant de continuer, j'aurais appris, et puis c'est regrettable, ce que moi j'aurais appris. Il y a un tonton qui m'a appelé ce matin. Il m'a appelé parce qu'il connaissait mon état. J'avais fait une vidéo pour dire que je ne me porte pas bien. Mais il m'avait dit que c'est urgent, c'est juste pour une minute. Il m'a expliqué réellement ce qui s'est passé. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Je ne dirai pas son nom. Je ne dirai pas son profil. Voilà. Parce qu'il est dans la même, il est dans la boîte. Voilà. C'est les Turcs qui ont donné deux drones. Les Turcs ont donné deux drones. Des drones lanceurs de missiles. Deux drones lanceurs de missiles. Ils ont donné à ces gens-là. Maintenant, ils étaient en test des deux drones. C'est le second qui est parti exploser sur les cuivres. Il dit, c'est ça. Ça, c'est selon. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai demandé, on dit, c'est ce qui s'est passé. Parce que l'enquête qui est ouverte, là, on dit de laisser tomber. A demandé l'enquête que ça doit être ouvert, on dit de laisser. Parce que c'est ce qui s'est passé. La marine, l'armée, je ne sais pas. Si c'était les gens de Bala Samoura, je ne sais pas. Était en train de manipuler. Le second drone est parti tomber dans le silo. Et ça a pris feu. C'est ce qui s'est passé. Donc, je vais lire ça. Et de passage, je remercie mon papa, mon médecin du Fofana. Voilà, le PM Saïd Fofana. Merci pour l'intelligence. Voilà, au moins toi, tu as été à l'école. Voilà, on ne peut pas collaborer avec un illettré. Voilà, parce que là, l'argent, il est permis de manipuler le gouvernement. Non? Voilà. Quand tu es riche, là, tu es riche, tu n'es pas à l'école, tu mets ton enfant à l'école. C'est un enfant qui gère tes affaires. Moi, je connais beaucoup de richissimes hommes, là. Ils ont envoyé les enfants à l'école. C'est les enfants qui géraient les business, pas eux. Voilà. Nous allons lire ça rapidement. Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre 2023, l'explosion et l'incendie du principal dépôt de carburant de la Guinée ont fait 23 morts et 241 blessés selon le gouvernement. Ouais. Oui, effectivement, ils ont dit de se taire sur l'enquête. Voilà. On dit de laisser l'enquête comme ça. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que le contrôle m'a dit. Il dit non, c'est un drone, le drone est parti, voilà. C'est un accident. Voilà.
Donc, le risque d'explosion, voilà ce qui se passe. Le risque d'explosion de ce dépôt a été identifié lors de l'étude d'impact environnemental pour la concession et l'extension du port de Conakry. Écoutez très bien. Le risque d'explosion de ce dépôt a été identifié lors de l'étude d'impact environnemental pour la concession et l'extension du port autonome de Conakry. Parce qu'Alpha Condé voulait transformer ce port-là, le port le plus moderne de l'Afrique occidentale. Donc, son extension demandait de déplacer le dépôt. Voilà. En effet, l'opérateur identifié pour cette concession est chargé de réaliser à ses risques et périls la réhabilitation et l'extension vers l'est du port, selon le contrat de concession signé en 2018. Le contrat a été signé en 2018 entre le gouvernement du président Alpha Condé, le port autonome de Conakry et le groupe turc Albarak. Pour réduire les risques aussi bien pour le port et le quartier des affaires et de l'administration de Kaloum, le dépôt de carburant devait être déplacé. Voilà. Le président Alpha Condé crée à cet effet en 2018 un ministère ayant pour charge prioritaire le déplacement du dépôt de carburant. Suite à la visite exploratoire des experts commis par le nouveau ministre du président Alpha Condé, ça c'était l'autre, comment? Voilà. Comment il s'appelle là? Ça c'était Diakaré Coulibaly. Donc, je continue. Voilà. Au ministre d'Alpha Condé, le site de Moribaya, dans la préfecture de Forécaria, a été choisi pour abriter le nouveau dépôt pétrolier. Écoutez très bien. Le site de Moribaya, dans la préfecture de Forécaria, a été choisi pour abriter le nouveau dépôt pétrolier. Immédiatement, le président Alpha Condé fait démarrer les études d'avant-projet sommaire permettant de définir le programme d'investissement pour le nouveau port pétrolier. Écoutez très bien, ce nouveau port devait aussi servir de port minéralier dans le cadre du projet des minerais de fer de Simandou, dont le port d'évacuation a été identifié dans la même zone via un chemin de fer de 650 km entre Simandou et Conakry. Ce n'est pas le Mont Simandou là que Djibaya qui te dit que c'est pour Doumbouya et sa maman. Voilà. Suite à l'approbation de l'étude d'avant-projet sommaire, un port en eau profonde était nécessaire. Mais le faible tirant d'eau obligeait la construction de sea lines sur plusieurs kilomètres pour permettre aux bateaux de décharger leur cargaison sans incident. Un projet de raffinerie était inclus dans le programme, y compris une zone de stockage des produits dérivés, comme le mazout, le bitume, le gaz et les lubrifiants, ainsi qu'une zone d'extension future, justifiée par une croissance annuelle de 12% de consommation de produits pétroliers. Donc, la capacité initiale projetée était de 100 000 tonnes de gasoil et de 50 000 tonnes d'essence pour une durée de réalisation de 30 mois. En avant-projet sommaire APS, le coût du projet était évalué à 180 millions d'euros, pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse après les études d'avant-projet détaillées, APD. L'ensemble du programme a permis de délimiter une parcelle de 100 hectares attribuée par décret présidentiel au projet. Le site est alloué et borné. Le site est là-bas, hein? Le site est là-bas, jusque le site est là-bas. Il est alloué et borné. Le démarrage des travaux est en fonction de la réalisation des études détaillées APD et de la mobilisation du financement. Le mode de financement est de type partenariat public-privé, PPP, avec 55% pour l'État dans l'actionnariat. Les dispositions étaient prises dans la structure du prix du carburant pour financer la part d'État. La Société guinéenne de pétrole a été créée par décret présidentiel avec des statuts aux normes OHADA pour porter les actions. Les trois actionnaires privés du partenariat Total, Vivo, Copec,
avaient confirmé leur participation, ainsi que Star Hall et le groupe Octogone. Ils ont tous confirmé, ils avaient participé. D'autres projets de raffinerie étaient à un stade très avancé, dont celui de Kamsar, porté à la société Brahams et financé par l'AFC, Access Bank et Afrizix Bank, d'un montant de 430 millions de dollars, pouvant raffiner 15 000 barils par jour, avec une capacité de stockage de 60 000 mètres cubes. Le démarrage des travaux était prévu pour novembre 2021. Écoutez très bien. Le démarrage des travaux était prévu pour novembre 2021, c'est-à-dire avant le coup d'État. Donc, le bandit est venu faire le coup d'État. Pour un délai de réalisation de 12 mois pour la première phase. Je continue. Quelle est la suite réservée à ce projet par la junte qui aurait permis d'épargner la vie des personnes et des biens ainsi qu'une inflammation qui accroît la misère de la population? Donc, voilà la vérité. C'est ça la vérité. Ça, c'est ça la vérité. Merci mon frère Bamba. Le projet là, jusque là nous parlons comme ça là. C'est délimité, il y a les bornes, tout est là-bas, à Moribaya. C'est un décret présidentiel qui avait octroyé la surface là à l'État. C'est des zones réservées. Maintenant, lui, imaginez, on envoie ça à Moribaya, le dépôt, et puis plusieurs raffineries, gasoil, mazout, tout était prévu dans le contrat. Et qu'est-ce que l'État a fait pour ne pas sentir le coup? L'État a augmenté, l'actionnaire, l'État devait payer 50, ouais, je suis arrivé, mon billet, 55% dans le montant. Donc, le gouvernement avait déjà trouvé comment avoir obtenu ça, parce qu'il avait créé un département spécialement. La part de l'État dans les taxes de carburant haute là, c'est ce que l'État avait laissé maintenant, parce que Alpha Condé avait un stock d'argent, de salaire, de carburant. Donc, nos intérêts sur le carburant étaient destinés uniquement pour les 55% pour déplacer ces dépôts. Maintenant, si un animal, un illettré, lui, vient nous dire, hein, qu'on déplaçait ça là pour envoyer au petit bateau, entre le petit bateau et Moribaya, qu'est-ce qui allait sauver Kaloum? Qu'est-ce qui allait sauver la population? C'est pas Moribaya. Moribaya, c'est or. Moribaya, c'est là-bas. C'est quand tu quittes Koya et puis en partant vers Forekaya. C'est dans la bourse là-bas. Le dépôt devait être là-bas. Proche même d'un autre dépôt. Voilà maintenant un illettré qui avait suggéré au président de la Sénacorde. Le tout a été obtenu pour faire l'extension. Et pourtant, nous, on devait déplacer le dépôt pour l'intérêt aussi de la nation. Parce que le port de Conakry devenait maintenant un port extrêmement exploité. Parce qu'il y avait, le flux était là. Notre port était devenu un port convoité, un port sécurisé, un port où les gens ne se gênaient plus d'envoyer les produits de la Sierra Leone par Conakry, les produits de la Guinée-Bissau par Conakry, les produits de Libéra par Conakry. Les gens passaient par Conakry. Donc, Alpha Condé s'est vu. Non? Voilà. Alpha Condé s'est vu. Non, attends, je vais avec Al-Barak, nous allons, parler de l'extension du port. Mais l'extension du port allait provoquer un dégât. Hein, un dégât. Donc, il fallait déplacer directement le dépôt. Maintenant, les autres là ont dit, on envoie ça à Moribaya. Et un décret, le décret là-bas, qui donna cette surface-là à l'État. Ça, là-bas, tout est borné. Voilà maintenant un animal, lui, parlait de petits bateaux. Alors, si l'extension du projet venait, le projet du port, venez encore, c'est pas de prendre le petit bateau encore pour chercher un autre lieu. Double travail. Entre le gouvernement d'Alpha Condé, l'animal, l'illettré, qui aime ce pays-là. Donc, je vais lire la partie-là, la partie de son parent qui m'a envoyé ça là. Attendez, parce que le frère m'a dit, attendez. Anaï Rabé. Voilà, ça est là. Je vais lire ça. Je vais cacher sa photo, hein. Attendez, je vais cacher sa photo. Voilà le texte ici. Voilà. Voilà, tenu du fait que je vis en Guinée, je préfère rester à liberté pour continuer à contribuer à affaiblir, voilà, ces bandits, ces voyous qui sont venus attaquer un président démocratiquement élu. De toute façon, Mamadou Sylla, voilà, attendez, je vais prendre là. Voilà, je vais prendre ici là. Tu as raison de dire que Sylla est un homme malhonnête.
L'une des preuves est que depuis le décès de notre père, écoutez très bien ce qu'il dit, hein, et j'ai vérifié. Il dit, tu as raison de dire que cela est un homme malhonnête. L'une des preuves est que depuis le décès de notre père en mars 1987, Silla a gardé tout l'héritage que le papa a laissé et refuse de donner les parts de ses demi-frères au nombre de 19. Il a 19 demi-frères. 19 demi-frères. Voilà qui est réellement Mamadou Silla, un milliardaire sur la place publique, mais un voleur d'héritage dans le secret. Ça, c'est la vérité. Écoutez très bien, c'est son frère. Ils sont 19. Il a 19 demi-frères. 19. Il a lui seul pris l'héritage de leur père. Il a confisqué l'héritage. Lui. C'est trop même. Il a expliqué beaucoup de choses là-bas. Et pour s'en prendre au procès à Fakonde, j'ai tellement de détails à te donner, ce qui s'est réellement passé entre lui et Alpha Condé. Mais prends le temps de m'appeler après ton rhume. Je vais l'appeler, il va me donner les détails. Donc, merci à tout le monde. Portez-vous bien. Vous étiez plus de 700. Merci. Et sur YouTube aussi, je vous dis merci. Voilà. Voilà, on dit voilà. Son père s'appelle Elias Bakou Toubou Silla. Effectivement, Abaka Savané. C'est ce qu'il a dit. Et voilà, les papas. Effectivement, tout est là dans le test. Bakou Toubou, ça, c'était les papas. Il a 19 demi-frères. 19. Il a refusé. Il dit, vous ne le connaissez pas. On a tout fait. Dans la famille, c'est le seul riche dans la famille. Il est le seul riche dans la famille. Quand tu parles, il prend un peu, il te donne. Il a rien partagé. Donc, portez-vous bien. Merci, on est ensemble. C'était Benito. Et Inch'Allah, vous comprenez, on y va un peu. Et le rhume commence à aller. Donc, portez-vous bien. Ambersoma. Et puis, je vous encourage, vous, les insultologues, là. Moi, je vous encourage à continuer à insulter, ne vous fatiguez pas. Voilà. Moi, j'ai vu le commentaire d'une dame là-bas, là, qui s'appelle Hawa Kamara. Madame, si vous venez sur ma page, voilà, vous venez, là. Voilà. Maintenant, là, il y a une question que j'ai posée sur la page. Qui gère le pays? Vous avez vu ça? Parce que, il y a des informations qui circulent. Voilà. Merci beaucoup, Fanny Kamassel, Fanny, merci. Il y a des informations qui circulent, mais je suis. Merci, frère Hayek. Je ne peux pas parler de ça. Voilà, c'est un peu. Voilà, il y a des informations qui circulent. J'ai juste posé la question, qui gère le pays? Voilà, qui gère le pays? Parce que si on me dit que Mamadi s'est fait bastonner, Mamadi discute avec les gens actuels, les proches, et ne tue pas quelqu'un. Ah, qui gère le pays? Djabi, Djabi, merci frère. Qui gère le pays? C'est une question, hein, Mousto, Heidi. Qui gère le pays? C'est une question. Vous allez me donner raison encore. Dans deux ou trois, en tout cas, chaque Guinéen doit se poser la question de savoir qui nous gère. Voilà. Posez-vous la question, hein, de savoir qui nous gère. Parce que moi, j'ai un test dans mon téléphone. On dit, Mamadi s'est fait bastonner par quelqu'un. Qui l'a bastonné? Moi, je ne sais pas. C'est comme ça, on m'a écrit. D'accord, frère Savané. Ok, et le miel. D'accord, frère. Merci, frère Savané. J'ai compris. Yep. C'est ce que je suis entré. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci. Voilà. Qui gère le pays? Voilà. C'est ça le problème. En tout cas, portez-vous bien. En tout cas, non, je ne pense pas. Moi, Benito, je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est lui qui gère le pays actuellement. Là. Ou bien, on l'a dit de se reposer à Ntekefendi Kaolon. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça, ce sont les drones turcs. Voilà, c'était deux drones turcs. Voilà, il y a un par manipulation et voilà.